Bonne nouvelle, bientôt la province de la Lomami sera dotée d'une centrale hydroélectrique. C'est là pour alimenter en électricité toute la province, en commençant par la ville de Cabinda. Ceci ressort d'un tête-à-tête entre le gouverneur de province et la fondation Jean-Baptiste Kongolo. Plus de détails avec Sylvain Fizé-Moukadi. C'est dans une mission dite d'étude et d'investigation avant la concrétisation des activités agropastorales que la délégation des ingénieurs de la Fondation Jean-Baptiste Nkongolo, conduite par son point focal Edmo Kikudi, a été reçue le week-end dernier par le premier citoyen de la province de Lomami, Sylvain Lubamba Mayombo, dans son cabinet de travail au gouvernorat. Il ressort de cette rencontre l'installation dans un avenir proche d'une centrale hydroélectrique qui pourra alimenter en électricité la province de Lomami, tout en commençant par la ville de Cabinda. On notera aussi l'installation des usines telles que l'unité de minoterie pour la transformation du maïs ou manioc en farine, l'usine d'huilerie pour la transformation de l'arachide en huile, et aussi d'autres phares spéculation végétale ou anale. En tant que numéro 1 de l'exécutif provincial, Sylvain Lubamba Mayombo s'est dit ému par ce programme qui s'inscrit dans le cadre de l'émergence de sa province et a promis tout son accompagnement pour que cela soit d'application. Mwenedi tout dans la province de Lomami, Sylvain Fizé Moukadi, Biwan.